Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une soupe qui vient du Yémen. La liste des ingrédients se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Nous allons commencer par couper la viande en petits morceaux. On va éplucher nos carottes. Puis les couper en petits morceaux. Nous allons couper nos courgettes en 4 pour leur retirer le cœur. Nous retirons le cœur de la courgette afin d'éviter son côté amer. Et nous les coupons en petits carrés. On va éplucher nos pommes de terre. Que nous allons couper en cubes. Nous allons couper nos tomates grossièrement. Nous épluchons nos oignons. Ainsi que notre ail. Que nous coupons grossièrement. Et aujourd'hui, je vais vous demander de bien vouloir dire tomate dans vos commentaires. Nous allons hacher notre ail et nos oignons. Ainsi que nos tomates. Dans une casserole, nous versons un peu d'huile d'olive. Et nous allons y rajouter la viande afin de la faire brunir. Suivi de nos oignons et ail. On va laisser mijoter 5 à 6 minutes. On n'oublie pas de rajouter le sel et le poivre. Suivi du cumin.
nous allons laisser saisir le tout environ 5 à 6 minutes. Nous allons rajouter nos tomates. Ainsi qu'un bouillon de légumes. Suivi de l'eau. Et nous laissons mijoter environ 45 minutes à feu doux. Minutes sont passées, nous allons rajouter nos carottes. Et nous allons laisser mijoter à nouveau pendant 15 minutes. Se sont écoulées, on rajoute nos pommes de terre et 10 minutes plus tard, nous allons rajouter nos courgettes. Nous allons hacher à la main afin de garder toutes les saveurs, la coriandre. Que nous rajoutons à la soupe 3 minutes avant la fin. Notre soupe aura mijoté en tout 1h30 à feu doux. Qui est maintenant prête à être dégustée. Si vous aimez cette recette, pensez à mettre un j'aime ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je reste disponible à travers Facebook ou Instagram si vous le souhaitez. Je tiens vivement à vous remercier pour votre gentillesse et votre fidélité. Il me reste juste une seule chose à vous dire, c'est à vos fourneaux.